Très bien. Alors, soyez une fois encore bienvenue. Pas de questions par rapport à cette image. Hay preguntas en relación a esta imagen. Il y a toujours plus un homme. Hay más un hombre. Oui. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cómo se pronuncia Brouillac? ¿Brouillac? Ah, brouillard, brouillard. ¿Bru? ¿Bru? Ay, brou. ¿Bruillac? Bruy, alors, si tendría que escribirlo como pronunciamos, lo escribo. ¿Bruillac? Oui, c'est ça. Bruyar. ¿Bruillac? Bruyar. ¿Bruillac? Perfecto. Bruyar. Merci. Bruyar. Bruyar. Oui, exactement. Hasta la R nomás. Bruyar. Eso significa hay neblina. D'accord? Il y a du bruyar. Hay neblina. D'accord? Par exemple, de mon côté, il y a du brouillard maintenant. Et je pense que pendant le week-end, il y avait du brouillard aussi. En este momento, de mi lado, hay neblina, par exemple. Il y a du brouillard. Et aussi, peut-être, il y a de la pluie. Et je pense à midi, il y aura de l'orage. D'accord? Ok, brouillard. Très bien. Il y a de la neige, il y a du vent, du soleil, des nuages, voilà. De l'orage, des éclairs, de la pluie. Pas de questions jusque-là? Non, non, pas de dudas. Quel temps fait-il? On va tout simplement. Ok, d'accord, Nadjeli, t'inquiète. Ok, pas de questions jusque-là? Non, no hay preguntas. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va regarder autre chose par rapport à la météo. D'accord? À la météo. Alors, on va lire quelques expressions imagées. D'accord? Algunas expresiones par rapport à la météo. Voilà. On va s'intéresser à lire six expressions imagées, d'accord? Seis expressiones. Voilà. À vous, quelqu'un qui veut lire la première expression imagée. La première expression. La première expression imagée. Un, numéro un. Moi. Vas-y, merci, allez. Il fait un froid de canard. Il fait très froid, pardon. Exact, oui, c'est ça. Très bien prononcé, excellent. Il fait un froid de canard. Égal, d'accord, c'est égal. Le signe mathématique, n'est-ce pas? Égal. Égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il fait un froid de canard. Ça veut dire qu'il fait très froid. N'est-ce pas? Hace un frío de patos. De pato. Il fait très froid. D'accord? Numéro 2. Expression numéro 2. Expression numéro 2. Il pleut de cordée. Il pleut porté. Exactement. Il pleut des cordes. Des cordes, no prononciamos las últimas dos letras. Il pleut des cordes. Égal, qu'est-ce que ça veut dire? Il pleut des cordes. Il pleut fortement. Llueve fuertemente. Llueve cuerdas. Il pleut des cordes. D'accord? Llueve cuerdas. Fortement, et se prononce la ultime NT. Fortement. Mon. Esto siempre va a ser mon. Y sí. Este MENT, ahí sí vamos a pronunciar mon. ¿Por qué? Porque es un adverbio. Fortement, D'accord. seulement, par exemple, seulement, 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 tellement, todas estas son adverbios. Entonces ahí sí vamos a pronunciar tellement, heureusement, felizmente. Todas estas mon son para nosotros mente. Entonces, fortement, fuertemente, seulement, solamente, tellement, tantamente, heureusement, felizmente,
D'accord, et toujours mon. D'accord, mon. Esto, todo esto va a ser mon, mon, mon. Ahí sí pronunciamos. D'accord. Excelente question, excelente Carla. Excelente question, Carla. Pourquoi? Parce que on ne va pas prononcer quand il s'agit d'un verbe, par exemple. Il mange à la troisième personne du pluriel. Ici, on va prononcer il mange. Hasta aquí nomás. Solo eso. Il mange. D'accord? Il mange. Ou il chante. Hasta ahí, il chante. Solo hasta la consonante. Y no las últimas. D'accord? Il chante. Le verbe chanter, n'est-ce pas? Autre verbe, regarder. Il regarde. Hasta ahí, il regarde. Solo hasta la D. Il regarde. Il regarde. De verbe, de verbe. Ils boivent et beben, d'accord? Boivent, des bébés, boire, ils boivent, ou beber prendre, ils prennent, solo hasta ahí. O sea, NT no pronunciamos, ¿d'accord? Solamente en los verbos no se pronuncia la NT o cualquier. Exacto. Oui, c'est ça. NT en los verbos, no, así, O imposible. cualquier otra terminación de los que son mudas. De las que son, de las terminaciones que son mudas en la pronunciación. Sí, verbos no se pronuncian, pero hay adverbios y esto como fortement también vienen, por ejemplo, sí, de manera general, verbos no vamos a pronunciar NT, pero adverbios sí. Entonces aquí sí, fortement. Donc, ça marche. On continue, on continue. La troisième image. La troisième phrase imagée. Pardon, expression imagée. Trois. Trois. Moi, Vas-y, vas-y, merci. il fait, okay. Il fait un temps de chien, il fait mauvais temps. Excellent, c'est ça. Hace un tiempo de perros, égal, il fait un mauvais temps. Hace un tiempo, un mal tiempo, ¿no? Très bien, c'est ça. Excellente prononciation. Quatre. Quatrième expression imagée. Quatrième expression imagée. Merci Marie-Isabelle. Vas-y. Ok. Il fait une chaleur à rêver. Il fait très chaud. En effet, c'est ça, Marie-Isabelle. Très bien. Il fait une chaleur à crever. C'est familier, crever. Ça veut dire il fait une chaleur à mourir. D'accord? Hace un calor à mourir, digamos, ¿no? Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait très chaud. Hace mucho calor. Il fait très chaud. Très bien. On continue avec la cinquième expression imagée. À vous, à vous. Moi. Vas-y, merci, Avril. Okay. Il. Espera. Y ahora sí va a disculpar. Il a un soleil de plomb. Le soleil est tres. No, tres chat. Exactement, exactement, Avril. Très bien. Il y a un soleil de plomb. Le égal, ça veut dire que le soleil est très chaud. Ah, c'est un sol de plomo. El sol es muy caliente, ¿no? Le soleil est très chaud. OK. Ça fonctionne. Et finalement, la sixième expression imagée. À vous, quelqu'un, quelqu'un. Qui ne va participer? Nadjeli, peut-être? Nadjel ou Valentine, peut-être. Quand vous voulez. Non. Moi, Vas-y, merci, Déborah.
Il y a un vent à décorner et les bœufs, il y a beaucoup de vent. Exactement, exactement, Déborah. Il y a un vent à décorner les bœufs. Oui, les bœufs. Égal, il y a beaucoup de vent. Vous comprenez le verbe déconner? Vous entendez le verbe déconner? Décorner, pardon, décorner. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe décorner? Décorner. Corner. Como quitar los cuernos, algo así, discordia. Exactement. No C'est ça, magnifique. C'est magnifique. Excellente réponse, Débora. Hay un viento que descuerna los bueyes, ¿no? O sea, significa que il y a beaucoup de vent. Hay mucho viento. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. OK. Y esto igual es invariable. Siempre va a ser beaucoup de. D'accord? Beaucoup de. Toujours. Esto es invariable. Esto es invariable. Beaucoup de. Siempre va a ser así. Incluso en plural y en singular siempre va a ser de. No, aquí no hay el beaucoup de o beaucoup de la. No. O beaucoup du. Non plus. D'accord? Siempre va a ser beaucoup de. Siempre. D'accord? Toujours. Ok. S'il n'y a pas de questions jusqu'à là, non? Ça fonctionne? On peut Ça faire. fonctionne. Ça fonctionne. Merci. Donc, on va passer à faire quelques exercices maintenant, d'accord? Et aussi, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties. OK. À la fin de la séance, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? On va faire une activité de compréhension de l'oral par rapport à la météo. Ok, très bien. D'accord. OK. Très bien. Alors, à vous. On va essayer à faire deux activités. OK. On va essayer à faire deux activités. Une petite lecture dans un premier temps, d'accord? Una pequeña lectura antes. OK. Jusque-là. Alors, on va commencer avec l'activité, la première activité de lecture, d'accord? Le texte, une compréhension écrite. Alors, quelqu'un qui veut lire le paragraphe. ¿Alguien quiere leer todo el cuento? Martin, d'accord? Moi. Vas-y, merci, merci. Vas-y. Ok. Et Martin a rendez-vous à 18 heures. Il regarde dehors avant de sortir. Il neige. Il est content quand, tu sais? Très bien, content. Il prend un parapluie et des gants
Il va à son rendez-vous chez Sophie. Sur le chemin, il fait des boulets de neige. Il regarde les bœufs passages. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui jouent avec la neige, mais il est prudent car s'il fait froid. Et il y a devant peut-être qu'il gelait aussi. Martin arrive chez Sophie. Il est en retard, mais Sophie est à la porte. Elle dit, viens vite. Il fait plus chaud à la maison. Ok, très bien, excellente lecture, Déborah, c'est ça. Merci. Ok, alors, quel est l'objectif de cet texte, de cette lecture? Alors, tout simplement de pouvoir identifier quelles sont les expressions de temps, quelles sont les expressions de tiempo que usamos en el texto. D'accord? Je vais relire et on va corriger ensemble, d'accord? Martin a rendez-vous à 18h. Il regarde dehors avant de sortir. ¿No es cierto? Tiene una cita a las 18 horas y mira fuera antes de salir. Il regarde dehors avant de sortir. Il neige. Nieva. Il est content. Está contento. Il prend un parapluie et des gants et il va à son rendez-vous chez Sophie. Toma un paraguas y guantes. Il va à su cita à la casa de Sofía. Sur le chemin, en el camino, il fait des boules de neige. Hace bolas de nieve, d'accord? En el camino, hace bolas de nieve. Il regarde le beau paysage, d'accord? Mira el muy bonito paisaje, le beau paysage. No olviden la combinación de letras E, A, U. Siempre va a ser O, beau paysage. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui joue avec la neige. Hay muchos niños en las calles que juegan. Aquí es que joue, ¿n'est-ce pas? No, no pronunciamos esta parte. Joue solamente. Qui joue avec la neige. Mais il est prudent car s'il fait froid. Et il y a du vent. Peut-être qu'il gèle aussi. Pero es prudente, ¿no? Mais il est prudent. Es prudente ya que si hace frío, hay viento. Tal vez graniza también. D'accord? Peut-être. Tal vez. Peut-être. Puede ser. Pero como está con lo tiré, el guión, entonces va a ser todo esto peut-être, como un tal vez. Martin arrive chez Sophie. Martin llega a la casa de Sofía. Está en retraso, ¿no? Il est en retard. Mais Sophie est à la porte. Pero Sofía está en la puerta. Elle dit, viens vite, ven rápido, viens vite. Il fait plus chaud à la maison, hace más calor en la casa. Ven rápido, hace más calor en la casa. Voilà, quelles sont les expressions de ton qu'on utilise? À vous, à vous, dans le texte entier, dans la lecture. À vous. Quelles sont les expressions de ton? Vas-y, vas-y. Il neige. Il neige, en effet, très bien, il neige. Ensuite, très bien, il neige. On va identifier, simplement, on doit identifier. Simplement, nous avons qu'identifier. Vas-y, vas-y. Les expressions de ton. Puede ser il regarde les beaux passages Il regarde le ou beau paysage. Oui, ça peut fonctionner. Oui, il regarde le beau paysage. Ça fonctionne. Je vais souligner. Mira el muy bonito paisaje, ¿no? Il regarde le beau paysage. Mira el bello paisaje. Avec les expressions qu'on vient de regarder, il y a
Il y a plus un homme, il plus un verre. Et aussi, il fait plus un adverbe. Il fait froid et il y a du vent. Exactement, c'est ça. Il fait froid et il y a du vent. Très bien. Il y a du vent. En effet, il y a plus un homme. Il y a plus un homme. Il fait plus un adverbe. Excellent. On continue. Il y en a deux, je pense. Encore. Et qu'il gelait aussi. Ah, Oh, Kiljel. il gèle. Oui, la R finale, nous prononçons Kiljel, en effet. Il prend un parapluie. Oui, ça peut fonctionner. Il prend un parapluie. Toma un paraguas. Il prend un parapluie. Il y en a une phrase aussi. Il fait plus chaud. Il fait plus chaud, exactement. Il fait plus chaud, hace más calor, ¿no? Très bien, jusqu'à là. Ok. C'est ça. Ok, ça fonctionne, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé cette partie, cette première partie. Alors, maintenant, on va passer à regarder. On va passer à faire la deuxième activité. D'accord? Complète les phrases en t'aidant des dessins. D'accord? Hay diseños y lo único que tenemos que hacer es, de acuerdo a los dibujos, poner la frase correcta. Donc, 4. 1, 2, 3 et 4. Un, deux, trois et quatre. La consigne, n'est-ce pas? La consigne. Qu'est-ce qu'il dit? La consigne complète les phrases en t'aidant des dessins. Complète las frases ayudándote de los dibujos. Numéro 1. Quelqu'un, numéro 1. Numéro 1. Il neige, peut-être. D'accord, tu peux lire la phrase entière. Ok. Et il neige depuis ce matin sur le Jura. Excellent, bravo, Déborah, c'est ça. Il neige depuis ce matin sur le Jura. Le Jura est une cadena montagnosa à l'est de France. D'accord? Le Jura, comme une cordillère de los Andes, algo así. Entonces, nieva desde esta mañana en el Jura, ¿no? Dans le Jura, sur le Jura. Il neige depuis ce matin sur le Jura. C'est une chaîne montagneuse. C'est une cadena montagneuse, le Jura. D'accord. Alors, une montagne, en effet. Une montagne. Le Jura. OK. Numéro 2. Numéro 2, numéro 2. Numéro 2. Non. Un peu difficile. La tempête est violente et il fait mouvoir, peut-être. D'accord, oui, ça peut fonctionner. La tempête est violente, n'est-ce pas? La tempête est violente. Il fait mauvais. Oui, ça peut fonctionner. Il fait mauvais. Très bien, hace un mal día. La tormenta está violenta. Hace un mal día. Oui, ça peut fonctionner. Il y a une autre possibilité, peut-être?
D'après l'image, según la imagen, selon l'image, et la tempête est violente. Comment on dit granizo en français? Granizo. Il grève. Il grêle, c'est ça. Il grêle, c'est ça. Granizo. Por eso está violenta. Il grêle. Très bien. La tempête est violente. Il grêle. Granizo. D'accord? Aussi, ça peut fonctionner. Il fait mauvais. Ah, c'est une mal dire, non? OK. 3. 3. Numéro 3. 3 et 4. Trois et quatre, tres y cuatro. Fermer les fenêtres parce qu'il pleut. Oh, en effet, c'est ça. Ferme les fenêtres parce qu'il pleut, n'est-ce pas? N'oubliez pas faire l'élision, n'est-ce pas? Parce qu'il pleut, oh, en effet. Cierra las ventanas porque llueve. Ferme les fenêtres parce qu'il pleut. Ferme les fenêtres. C'est l'impératif. Lo vamos a llevar en este módulo cuando vamos a dar órdenes, consejos o prohibiciones. D'accord? Des conseils, des ordres et des interdictions. C'est l'impératif para dar órdenes. Ferme les fenêtres parce qu'il pleut. Cierra las ventanas porque llueve. D'accord, ça fonctionne. Finalement, numéro 4. Moi, Vas-y, merci, allez. la température est très basse, il fait froid. Magnifique, c'est ça. En effet, la température est très basse. Tu l'as bien prononcé. Il fait froid. Ok. Ou on peut dire, il fait un froid de canard, n'est-ce pas? Según las expresiones imaginarias que hemos visto, il fait un froid de canard. Hace un frío de patos. De pato. Il fait un froid de canard. Aussi, la température est très basse. Il fait froid. Oui, il fait un froid de canard. Ça fonctionne. On continue. On va continuer avec. Jusqu'à là, pas de questions. Non? Ça marche. Jusqu'à là? Non? Oui? Pas de questions? Ok. Très bien. S'il n'y a pas de questions, alors on va continuer avec d'autres expressions. D'accord? Et finalement, ok, c'est ça. Ce sont les expressions. 5, 6, 7 et 8. À vous, à vous. 5, 6, 7 et 8. Cinq, six, sept et huit. À la campagne, les orages sont très forts quand ils tombent. J'ai un peu peur. Très bien, en effet. Exactement. Ici, attention. On va faire la liaison. Aquí vamos a hacer la liaison. Es un poco extraño, pero lo vamos a hacer, ¿d'accord? Siempre que haya la D y con la voyelle, ¿d'accord? Entonces, en este caso, extraordinariamente vamos a pronunciar til, ¿d'accord? A la campagne, les orages sont très forts. Quand il tombe. Quand il tombe. Quand il tombe. J'ai un peu peur. Tengo un poco de miedo, ¿no? Tengo un poco de miedo. Quand il tonne, cuando truena. ¿D'accord? Donc, ça fonctionne. Merci. On continue. 6, 7, 8. Six, sept, huit. À vous, à vous. Aujourd'hui, leur port est fermé parce qu'il a des neiges. Des neiges. Et de la neige?
Peut-être de la neige. Oui, creo. Ça peut fonctionner. En effet, il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé. Parce qu'il y a, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de la neige. Ça fonctionne, ça peut fonctionner. Il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Qu'il y a de Boyard. Exactement, c'est ça, Alejandra. Très bien, c'est là. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé parce qu'il y a du brouillard. En effet, parce qu'il y a du brouillard. Brouillard, n'est-ce pas? Muchas veces por eso cierran los aeropuertos, ¿no? Porque hay mucha neblina. Por los vuelos. En effet. Aujourd'hui, l'aéroport est fermé parce qu'il y a du brouillard. Aussi, ça peut fonctionner, est fermé parce qu'il y a de la neige, porque hay nieve. Oui. D'accord. 7 et 8, finalement. Sept et huit, 7 et 8. Sept et huit. Il fait froid. Ah, d'accord. Está como congelado, algo así, no sabría cómo decirlo. Oui, en effet. Hay dos verbos aquí. Uno era el granizo, que es el grêlé, ¿n'est-ce pas? Grêlé, se escribe así. Grêlé, granizar. D'accord. Hay otro verbo que es muy parecido. Es el verbo geler. Es decir, de congelar o incluso de escarcha. Entonces, en este segundo caso hace referencia al verbo, a eso. Entonces, solo era el il plus un verbo. Il plus un verbo. ¿Se acuerdan de esa parte? Il plus verbo. Ingel. Il gèle. En effet, il gèle. Y l'accent grave en este caso. Cuando conjugamos es el acento grave. Il gèle. Nous ne pouvons pas prendre la voiture. Cuando hay escarcha, ¿verdad? Los coches no pueden, o bueno, van a resbalar. Son a temperaturas muy bajas, entonces van a patinar prácticamente. Entonces, il gèle, está escarcha. Nous ne pouvons pas prendre la voiture. No podemos tomar el coche. ¿D'accord? Il gèle. Grêler et geler. Granizar y hasta escarchar, ¿no? O congelar. Et finalement, numéro 8. Merci, 7. Merci, Deborah. Très bien. 8, 8, 8. À la fin. Simple. On va à la piscine. Il fait chaud. Oui. Oui, ça fonctionne, il fait chaud. On va à la piscine? On va à la piscine? Oui, il fait chaud. Il y a une autre possibilité, peut-être avec les expressions imagées. Avec les expressions imagées, con las expresiones imaginadas. Non. Vas-y, vas-y, les expressions imagées, non. Il y a un soleil de plomb. Ça marche très bien, Carla. Oui.
Il y a un soleil, soleil de plomb, n'est-ce pas? Eh bien, et aussi, oui, il y a une chaleur à crever, n'est-ce pas? À crever. Il y a une chaleur à crever. Les trois possibilités. D'accord? Il y a trois possibilités dans ces cas-là. En este caso, hay tres posibilidades. En estos casos, d'accord? Oui, il y a un soleil de plombe. Oui, il y a une chaleur à crever. Oui, il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Pratiquement, d'accord? On va à la piscine. Oui, il fait très chaud. On peut ajouter la barre très. Ou trop. Il y a trop. Il y a trop. Mais ici, trop de. Trop de chaud ou très chaud. OK. Voilà. Pas de questions. Jusque-là, ça fonctionne avec les expressions de la météo. Oui. Ça fonctionne, merci. Ça fonctionne. Merci, Déborah. À toi. Les autres, April, Adriana, Carla, Marie-Isabelle, Nathalie, Nancy, Valentine, pour vous, para ustedes también. Ça marche. Ok. Ok, très bien. Alors, maintenant, comme j'ai dit, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? On va faire une activité de compréhension de l'oral ces dernières à peu près 10 minutes. D'accord? Avec les expressions de ton, avec les expressions de la météo. D'accord? Pour ça, alors, ça va prendre 10 minutes, à peu près, entre 10 et 15 minutes. Je vais relancer la réunion pour faire l'activité, tranquillement. Et vous pouvez sortir de la réunion. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. D'accord? Salimos. La reunión y volvemos a entrar. Voy a nuevamente relanzar la reunión para así trabajar mejor. D'accord? Merci. On se retrouve à tout à l'heure. Le même lien, toujours le même lien, siempre el mismo link. D'accord?